Salut à tous et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que je n'ai jamais fait sur la chaîne, mais c'est juste après ça. Et oui, vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour un tournoi en ligne que je vais filmer. Alors c'est un tournoi en ligne, donc c'est en remote, donc avec la caméra que vous voyez là au-dessus. Je suis désolée, la caméra, l'image est pas très jolie, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Parce qu'aujourd'hui, on va filmer une partie contre des vrais concurrents en remote. Alors ça se passe sur Discord. Alors la personne qui organise ça, et eh ben, c'est un youtubeur qui démarre. Alors je vous donne son Discord, le nom de sa chaîne est le même, donc c'est Untape. UnkeepDrawFR. Donc c'est ici, mais je vous mets de toute manière le lien dans la description, sur son Discord. Donc ça va être super sympa aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, à aller checker ses vidéos, mettre des pouces, etc. si ça vous intéresse, bien sûr. Donc voilà, ce sera un petit coup de pouce. Le lien sera dans la description. Donc je vous disais que ce soir, je vais participer à un tournoi Lorcana assez spécial parce que ça va être sur le thème des dessins animés. Donc c'est pas du tout en mode compétition, c'est en mode plutôt rigolo, chill. Donc ce sera du BO1. Donc BO1 de 25 minutes à ce que j'ai compris. Je crois que c'est ça, que je raconte pas de bêtises. Du BO1, donc ce sera qu'une seule manche. Donc voilà, on n'aura qu'une chance pour gagner. Je ne sais pas combien on est de joueurs, on n'est pas grand monde, mais bon, suffisant pour bien rigoler. Alors, thème des dessins animés. Oui, il y aura un top cut pour le classement final. Et on aura un mulligan assez spécial, à ce que j'ai compris. Donc, en fait, on aura droit. On a déjà donné nos decklists. On aura le droit de faire un deck sur un dessin animé. Donc, moi, j'ai choisi le premier long métrage de Disney. Je ne sais pas si vous savez duquel je vous parle, mais je vous le ferai découvrir juste après. Donc voilà, donc ce sera sur le dessin animé. Donc vous n'avez pas le droit aux cartes hors dessin animé. Donc par exemple, si vous jouez un deck Merlin l'Enchanteur, les Chromicom d'Améthyste, par exemple, sont une invention pour Lorcana. Donc ils ne seront pas autorisés lors de ce tournoi. Il faudra vraiment que des cartes, par exemple pour Merlin l'Enchanteur, des Merlin, des Mime, des Arthur, des Hector, je crois qu'il s'appelle, etc. Mais pas toutes les cartes utilisées pour... Pour Lorcana, enfin les cartes qui ont été inventées pour Lorcana. Et vous n'avez pas le droit, par exemple, chanter ce rêve bleu dans, par exemple, Le Roi Lion, voyez. Donc moi, je vais vous présenter mon deck en vidéo. Il est là, il est tout prêt, il est pour vous. Et il est là, voilà. Donc, il s'appelle Un jour, mon prince viendra. Voilà, rien de tel, rien de plus Disney que ce deck. Donc, il est dans ma petite deck box qui est ici. Donc c'est un deck de 60 cartes. Alors vous avez compris qu'il tourne autour de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc j'ai mis 4 reines, 4 petites reines qu'on peut altérer avec la grosse reine après, qui est ici, qui peut faire des dingueries, et qui peut tout de suite partir à l'aventure, qui peut faire, quand elle part à l'aventure, elle peut faire un dessin de l'attaque, monter l'attaque de nos persos, enfin des dingueries, beaucoup de nains. Bien sûr, les nains, alors, entre eux, ils font des choses de fou. Les Blanches-Neiges, notamment, ces Blanches-Neiges-là, autour de nains dans le crâne, qui permettent de jouer des personnages nains pour un de moins. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'encre normalement pour faire tourner ce deck. J'ai mis, bien sûr, le chasseur à l'intérieur, qui... Alors, j'en avais que deux, donc j'en joue que deux. Alors, moi, je n'ai pas de proxy, je joue vraiment les cartes que j'ai. Donc, j'ai mis deux chasseurs, parce que forcément, c'est lui qui doit tuer Blanche-Neige, vraiment, dans l'histoire. J'ai mis le prince, voilà, le prince charmant qui va pouvoir servir de rempart, et la méchante reine, et bien sûr les fameux lieux qui sont arrivés avec le chapitre 5, qui sont la mine des nains. Voilà. Donc c'est un deck qui n'aura pas de chanson, qui aura très peu de pioches. La seule pioche que je pourrais avoir, et eh ben ce sera avec Doc, que je n'ai que 3 fois. En plus, je l'ai même pas 4 fois, je l'ai que 3 fois. Donc lui, il pourra faire défausser. Des cartes pour piocher 2 cartes, mais vaut mieux l'utiliser quand on n'a plus de cartes du tout. Mais il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de pioches, étant donné qu'il y a Doc qui fait payer un de moins pour jouer les persos, j'en ai 4, et qu'il y a aussi la Blanche-Neige qui fait payer un de moins pour les nains. Donc on peut jouer plein de nains gratuitement si on s'en sort bien, enfin si on joue assez bien. Enfin, je vais essayer du moins. C'est un deck assez rigolo. Parce que les nains, entre eux, ils font des trucs. Timide arrive, il peut partir à l'aventure que s'il y a un nain qui est en jeu, parce qu'il est timide. J'adore ce deck parce que ça marche vraiment avec
le caractère des personnages du dessin animé. Et il y a bien sûr cette Blanche-Neige qui est protectrice. Elle est là, elle protège, elle soigne. Après, celle-ci peut se shift, grosse guerrière, etc. Et j'adore ce deck. Il fallait vraiment que je joue. Depuis le début, je voulais jouer Blanche-Neige et Sept Nains, mais on n'avait pas assez de choses. Mais avec le 7-5, on a eu pas mal de nains et de choses qui font qu'on peut jouer que de Blanche-Neige et Sept Nains. Donc je vais tester ça ce soir. Et on se retrouve pour la première game sur le Discord. La règle du mulligan, c'est le joueur sur la draw, donc c'est le joueur, le deuxième joueur, qui va annoncer son mulligan en premier. Le joueur sur le play, donc le premier joueur, ne pourra pas mulligan plus que le joueur sur la draw. C'est un exemple, si je joue contre Swed, je suis joueur numéro 2, donc c'est Swed qui va commencer, c'est moi qui annonce mon mulligan en premier. Si je mulligan à 2, Swed peut mulligan 0, 1 ou 2 cartes, mais ne pourra pas mulligan plus que ça. Donc égal ou moins quoi. Ok. Égal ou moins, absolument. Il a le droit de tricher comme d'habitude ou vraiment Il il triche pas sur ce a tournoi. le droit de faire un sous l'océan à 7, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. J'ai la Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc les amis, on est avec, tu m'as dit ton prénom? Anthony. Anthony, pour jouer, eh bien, les decks assez spéciaux. Allez, le plus grand commence. Oui. Je ne sais pas J'ai fait si tu as 4. vu, j'ai fait 6. Donc du coup, le mulligan, c'est toi qui choisis, c'est ça? Si tu es joueur 2. Je te dis combien je me Ok, connais et de ça ok. tu peux mettre autant ou moins. D'accord. Donc moi, je commence. Oh, c'est une carte qui s'en va, ça ne va pas le faire. Et voilà. Ah, tu voulais peut-être couper avant? Oh non, pff, écoute, il n'y a pas. Ouais, bah pareil, pareil le Il n'y a même. pas d'intérêt. On n'est pas en Madrigal ou. Ouais, voilà. On est là pour le faire. Alors, du coup, c'est toi que choisis. Ah, c'est marrant comme règle, ça. Et bah du coup, je vais en remettre 4. Donc là, c'est 4. une Ah, super. carte Alors, de j'ai carte droit d'en blanche. changer 4 ou moins, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, donc ça, je garde. Ça, je garde. Ça aussi. Ça, c'est quoi, ça? Et ça, je... Et ben j'en mulligan 3, du coup. Ok. Et oui, les amis, on vous a pas dit. En fait, c'est le premier, celui qui gagne au dé, qui laisse choisir le mulligan au deuxième. Voilà, la difficulté de ce soir. Pour un petit équilibrage, vu que c'est Voilà, numéro 1. c'est ça. C'est marrant. À reprendre en boutique. Tu joues en boutique, toi? Oui, Ok. à Liège, en Belgique. Ah oui, d'accord, j'entendais un petit accent. Bon, moi aussi j'en ai un, mais bon. Moi c'est à Nîmes dans le sud. Ok. Est-ce que tu veux couper? Ouais, non. On coupe en deux Ok. comme tu veux. Ok, on va Ouais, faire on fait deux comme ça. classiques. Allez, hop. Hop, on va poser ça là. Du coup, je commence. Ok. Je t'en Allez. prie. Du coup. Ouais. Je vais ancrer joyeux. Ok. Et pour un, je vais jouer la reine, la petite reine. Oh. Et c'est à toi. Donc je pense que tu as deviné mon deck. Ouais. C'est un deck Pinocchio. C'est ça. Du coup, à toi. Ok, j'ai pioché. Alors, J'ai 5 cartes en main. je vais ancrer la bête. Ouais. Et je vais lire à toi. Drôle. Donc tu l'as deviné, c'est un deck Poker Petit Face. pied. Ah, moi, j'ai choisi le premier long métrage. C'est pour la grosse fan en moi. tac, tac, tac. Je vais ancrer le chasseur. Et pour deux, je shift la reine. On est déjà sur un shift. Tu vas partir pour deux. Du coup, Ok. je marque deux de l'or. Ça va. C'est à toi. On Voilà. tire. Je pense que c'est le côté le plus fort du deck. Après, il n'y a rien derrière, je crois. On verra bien. Peut-être que la synergie avec les mains, ça peut donner quelque chose. Ça peut être sympa. Moi, je ne l'ai jamais testé encore.
Qu'est-ce que je vais faire? Renonce 4. Je vais ancrer le miroir de la bête. Mmh. Et pour 2, je vais jouer la rose mystique. Elle fait quoi la rose mystique déjà, tu peux me rappeler? La rose mystique, je peux la bannir. Je choisis un personnage, la bête, qui gagne 2 de l'or pour le reste du tour. Et si j'ai un personnage belle en jeu, je choisis un personnage et je peux déplacer 3 de ses dommages sur un personnage adverse. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, c'est pour la synergie du deck. Okay. Je vais dire à toi. Allez, je draw. Oui. Alors, qui va-t-on faire? Je vais ancrer une reine. Pour 3. Je vais jouer le prince. Est-ce que je joue en rempart? Je sais pas. Alors, c'est ça qui est marrant parce que du coup, on ne sait pas ce qui peut sortir derrière. Ouais. Et je vais quand même le jouer en rempart et je pars pour 2. Donc je passe à 4 lore. À toi. Ok. Du coup, je relève, je pioche. Mmh. Alors, je vais mettre la bête en encre. Pour 3, je vais jouer Belle. Mm-hmm. Son effet ici ne fonctionne pas, vu que c'est pour déplacer un dégât. Ok. Voilà. D'accord. Je vais dire à toi. Je pioche. Hop. Je vais ancrer Blanche-Neige. Pour 2, je vais jouer la mine des sept nains. Okay. Et pour 2, je vais jouer Blanche-Neige. Alors elle donne, tu payes 1 de moins pour jouer les nains. Ok, ça. Ensuite, eh bien, le prince et la reine partent à l'aventure, donc je passe à 8. Ok. Attends. Le fait d'avoir ta reine T2, ça t'a beaucoup aidé. C'est ça. Mais je suis une joueuse de style song à la base, donc la reine, je l'ai beaucoup jouée. Je l'ai recyclée, on va dire. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais le mettre là pour le, pour le rempart, je le mets là. Elle a combien de... C'est une 4-3. 4-3. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour 3, faire un alter 3 sur mm-hmm. elle. Donc ça n'active pas son effet, vu qu'il n'y a aucun dégât de mon côté, ni du tien. Ouais. Je vais taper... Attends, j'ai plus de batterie à l'ordi. Les aléas du direct. Voilà, c'est bon. Allez. Donc tu vas taper sur le prince. Ouais, le prince. Du coup, ça lui met... Ça lui met... Du coup, 4 dégâts. Ok, donc il part. Moi, je comprends. Et toi, t'as un dégât. Ok. Et je vais... quand même ancrer Madame Samovar. Et je vais utiliser... Je vais bannir la rose mystique pour déplacer un dégât pour mettre pour la reine. Ok. Ok, là. Je mets un petit dé, ça fait un dégât, d'accord? Oui, ça va. Et je vais dire à toi. Je droit. Ok. N'oublie pas ton lore du... Ah oui, pardon, oui, merci. Donc je passe à 9 avec mon lieu. Comment va-t-on faire ça? Elle a combien de... Elle a 4-4. C'est une 4-4, et d'accord. 2 de l'or. Donc, la reine va partir à l'aventure. Oui. Elle va faire moins 4. Alors je passe à 11. Ouais. Elle va faire moins 4 d'attaque à ta...
Belle. Et avec, il rajoute plus 4 d'attaque à Blanche-Neige qui va Ce qui fait qu'il t'attaquer a à droit 5. gratuit. Voilà. Ensuite, je n'ai pas joué. Pour 3, je vais jouer. Ah non, 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 j'ai elle. Pour 2, du coup. Un de moins, je vais jouer Grincheux. Ok. Et vos personnages chevaliers gagnent résistance plus 2. Oui, bah non. Bah c'est tout. Écoute, c'est à toi. Et donc, bon, va falloir que je fasse comme ça. Je vais ancrer la bête. Pour 5, je vais faire un tuant la bête. Ok. Donc je mets moins 2 à Deux. tout le monde. Deux. Et deux. Tout Voilà. le monde est mort. Je dirai pas. C'est efficace. Bah, Drôle. faut bien arriver là. C'est ça. N'oublie pas l'or de Ok. ta Oh main. oui, je joue jamais de lieu, donc je n'ai pas l'habitude. Merci beaucoup. Pour 4, je vais jouer timide. Alors, timide, il peut être rempart quand il y a Blanche-Neige en jeu, mais il n'y en a pas. Donc, c'est à toi. Ça va. Et c'est une 3-4. C'est une 3-4. Je pioche. Je relève. Réfléchis. Je vais ancrer le fou Ouais. pour 6. Je vais jouer la bête prêt à se sacrifier. Il a 2, 8. Et alors, si des dommages doivent être infligés à un personnage, ils sont placés sur celui-ci, à la place. Ok, d'accord. C'est Donc plein c'est de le mots. souffre-douleur en fait. Là, c'est ça. C'est celui qui Ok. protège tout le monde. À Ok. toi. Je pioche, je marque mon lore, je passe à 13. Eh ben, pour 3. Ah, attends. Il a combien de résistance? 8, lui? 8. 8, ouais. Et il a combien d'attaques? 2. 2. Ok. Pour 3. Je vais jouer Grincheux. Alors, Grincheux, il donne résistance plus 2 à mes autres chevaliers. Oui, et vu que Timmy est un chevalier. Non, sur un lieu, pardon, excuse-moi. C'est juste ceux qui Ah, sont sur sur un un lieu. lieu. Donc il n'est pas sur un lieu, donc il n'a Ah pas oui. plus. Je les connais pas les cartes encore. Et durant mon tour, il Ok, est pas de souci. insaisissable, par contre. Ok. Et ensuite, timide part. Qu'est-ce que je peux faire après? Pas grand-chose. Timide. Non, je vais rester comme ça, à toi. Ok. Le gros. Pour 2, je vais mettre la rose mystique. Ouais. Pour 3, je vais mettre Belle. Bon, elle ne fait pas son effet comme Ouais. d'habitude. Et je vais aller taper à 2. Le lieu. Non, réfléchis. Ouais, sur le dieu. Allez, je me mets deux petits dégâts. Tac, tac. Et je vais Tu les lui vois, les taper. petits dés? Il y en a deux. Ok. À moi? À toi. Je pioche, je marque mon point de l'or, je passe à 14. Alors, pour 2, je mets timide dans le lieu. Du Ok. coup, il va mettre 2 Donc dégâts 4 à ta bête, j'ai pas le et 2. choix. C'est une 8. 8, on a dit. 8 machin, on est d'accord, hein. Donc, du coup, avec timide, je vais taper la bête. Je lui mets 3 supplémentaires. Comme il a résistance 2, il ne prend pas de dégâts, c'est ça? Et avec Grincheux, je vais le taper, du coup, à 3. Et il est mort, du coup. Non, Grincheux, il est mort parce qu'il a que 1 de résistance. De volonté, on va dire.
Et je vais ancrer. Non, je vais ancrer personne. C'est à toi. Tiens. Alors. Ça fait ça. Ok. Pour 6, je vais rejouer la bête. Ouais. Je vais partir à l'aventure. Je vais dire à toi. Ok. Je pioche. Alors, je redresse tout le monde. Je marque mon lore. Je passe à 15. Du coup, Belle, elle peut pas être. Du coup, je peux pas bannir Belle, c'est ça? Et si tu tapes Belle, les dégâts iront sur la bête. Ok. Ok. Bon. Bah pour 3, je vais jouer le prince en rempart. Et avec Timide, je pars pour 1, je passe à 16. Ok. Et c'est à toi. Ok. Tiens. Je reviens. Cinq. Je vais jouer la bête et votre celle-là tu la connais, Oui, je la j'imagine. connais bien, ouais. C'est bon. Alors, faut que je relève Belle aussi. Alors, comment bien faire ça? Donc il n'a pas de résistance, c'est avec Non, comment? si la résistance 1. Oui, mais je veux dire timide. Timide, non, il n'a pas de résistance. Je vais taper avec Belle et avec la bête. Du coup, elle a la 2, elle a la 3. Du coup, normalement, ça passe contre ton prince. 2, Et je donc ça prends fait 1, et 1, elle a la alors 3, ouais, 3, c'est ça bon. fait. Ok, donc du coup, je prends un dégât à chaque fois. Du coup, ça fait 2 sur la bête. Ouais, c'est ça. Et je vais dire à toi. Je pioche, je marque mon petit point, je passe à 17. Pour 4, je vais jouer Timide. Timide, il peut partir à l'aventure lorsqu'il y a un nain. Hop, je me Ok. redresse. Et du coup, bah, je vais dire à toi. Ok. Je pioche. Je relève. Pour un, je vais jouer zip. Excuse-moi, je vais relever tout. Pas de soucis, Voilà. pas de soucis. Alors. Donc, si tu as un nain, ça fait ça. Ok. Je chante à l'unisson à 10, tous avec moi. Ouais, du coup tu me mets Donc je 3. choisis jusqu'à 3 Ouais. personnages ou lieux et ou lieux. Donc je mets 3 à tout. Oui. 3 au grand timide et 3 au lieu. Je vais détruire ton lieu. Ouais. Avec Belle. Et ensuite, je vais bannir la rose mystique et je vais déplacer 2 dégâts sur le grand timide. Comme ça, il est à 5. Et je vais dire à toi. J'avais oublié de faire l'effet de la bête pour piocher, c'est Ah donc à oui, toi. vas-y, pioche. De toute façon, ça ne changera rien. Enfin, quoique, si, maintenant, oui. Je
Est-ce que tu m'autorises à jouer ou tu préfères Oui, qu'on vas-y, fasse un joue. règlement ou... Joue, vas-y. Pour 5, je joue l'autre bête Ok. héros tragique. Je le dirai pas. Jeu de rôle. Vu que c'est un effet obligatoire, j'ai un warning. Ouais. Et donc du coup, si tu mets un seul dégât, c'est sur la bête à Ouais. 6. Ouais, je réfléchis à ce que je fais. Je vais ancrer Grincheux. Pour 5, je vais jouer la reine. Et je pars pour 1, je passe à 18. Non, j'ai toujours milieu, j'allais me le ban, n'importe quoi, moi. Et c'est à toi. J'allais me bannir mon perso toute seule. Ouais. Je remonte tout. Cette Ouais. fois-ci, je n'oublie pas l'effet Oui. de la bête Et la et de deuxième. l'autre bête et pioche. Ah, la bête, c'est pratique, hein. Alors. Ah, donc du coup, il a 3 d'attaque. Ok, d'accord, parfait. Parfait, 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 parfait. Je vais t'équiper avec la grosse bébête. Sur 1000, du coup, je prends 3 dégâts. Ensuite, pour 3, je vais Alter Belle. Je Ouais. déplace 3 dégâts sur la reine. Ensuite, je vais partir à l'aventure avec tout le monde qui reste. Du coup, j'ai 7, ce qui fait 7. que je monte à 8. OK. Et je vais dire à toi, j'ai 2 cartes en main. Je pioche. J'ancre prof pour 6, je joue Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, quand elle part à l'aventure, elle peut Elle reprendre reprend la bête. un caractère, le mettre dans sa main, de sa discarde. À toi. Ça va. Alors, je relève tout. Pioche avec la bête héros tragique. Ouais. Pioche avec l'autre bête héros tragique. Pioche normale. Alors. Tu vas l'avoir pour peu de choses, je pense. Réfléchis, est-ce que je peux faire quelque chose de spécial? Ah, ça monte à 5, c'est pas assez. Ça, je peux pas déplacer, je peux rien faire. Ben écoute, je vais partir à l'aventure avec tout le monde. Ouais. Du coup, je monte à 16. Ça jouera pas à grand-chose. Non. Pour 5, je vais mettre une autre bête héros tragique pour un Big Ben. Et je vais dire à toi, et normalement, Ok. tu l'as. Mais t'as pas vu ma bague? J'ai la bague de Ah, la trop bien. reine. Pour ça, en fait, C'est pour pour des ça. agréries. Écoute, En fait, ben, bravo, c'était une belle game. hein. Ouais, c'était une belle game et j'ai bien aimé ton jeu. Il était long à démarrer, mais hyper agressif après et compliqué après. Hein. Mais le seul truc, en fait, j'espérais dans la pioche, je rechope Je me suis dit, s'il une la pièce. rechoppe, je suis morte. Mais en fait, si je l'ai 4 fois. Donc en fait, si je la chope et que je gagne 2 par bête. Ah, c'est choisissez 1, mais même de toute façon, j'aurais pas eu. Mais moi, j'espérais avoir ma petite Blanche-Neige qui fait que je sors tous mes nains quasiment gratuitement après, mais je l'ai pas Ouais. eu, quoi. Mais Ça bon. demande du temps à s'installer et puis Ouais, c'est ça. c'est Mais bon, bon. j'avais jamais joué le deck et c'est marrant. C'est sympa. Ouais, c'est fun. C'est fun. Bon, mais écoute, hein, tu vas passer sur YouTube, Pas hein. de soucis. Grand Bah, bonjour à la c'était une belle Belgique, game. hein. Et sinon, C'était t'as fait des trucs des comme beaux shows. Borum, comme. Ouais, Non? des gros événements, non. J'ai Ouais. plus tendance à faire en boutique ou quoi. Ouais, comme moi. Ok. Des win box et des choses comme ça. Ok, Chose un ouais. peu plus Ouais, moi aussi je reste dans ma région, mais là peut-être je vais tenter Disneyland.
Ah ouais, ça peut être sympa. Ça va être sympa. Grosse fan de Disneyland, donc pourquoi pas? Ouais, l'utile à l'agréable. En espérant qu'ils mettent les choses à jour. Hein? Et ouais, il y a un gros problème de date de lancement pour acheter les places. C'est compliqué. Ouf. On Et dirait qu'il y avait eu un problème la première fois. ouais, Il me semble au départ avoir fait ils ont pareil. déplacé et après ils ont au final on n'a plus de date pour le moment. Donc voilà. Bah, c'est bien. Écoute, on verra bien. Bon, mais je te Bah, merci laisse. pour cette bonne Allez, ben recommandation. merci à toi. Bon, mais les amis, c'est parti. Je retourne en table 3, apparemment, et je joue contre. Alors, c'est marqué sur mêlée. Onelbiki. 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 Voilà, j'ai enfin Onelbiki. réussi à régler ce problème. Hop là. C'est bon. Coucou. Coucou, coucou. Alors, attends. Hop là. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, salut. Salut, Et caméra est bonne, nickel. Ah super. tu me vois Alors, bien aussi? ben ouais, je te vois bien. Beau tapis, fait clochette. Ouais. Je Et vois pour ta une fois, petite tête là, ouais, je tu es vois ta en petite tête. stream. T'es en Donc stream? du coup, c'est en. Ouais. Ah moi, Ouais, ben là, tu tu vas m'as être sur bloqué, je suis YouTube passé. du coup. Quoi? Ah ouais. Bon. C'est quoi ton stream? C'est One Lore Lorcana sur Twitch. De la team One Lore belge. Lorcana. Allez, ce sera mis dans la description. Voilà, parfait. Ah, mais t'es en stream aussi! Ah, Non, moi d'accord, je suis j'ai pas en pas stream, moi je entendu. suis une youtubeuse, c'est pas Ah! pareil. Ah, t'es YouTube! C'est pas Ok, encore moi, top, le top. stream c'est pas encore pour moi. Ok. Ouais, Allez, non, super. mais. Allez. Alors, t'as gagné ta première game aussi. J'ai hâte Ouais. de voir ce que tu Bah moi joues. j'étais déjà là en table 3. Et En ouais. tout cas, Toi je aussi, pense t'as que t'es gagné du vraiment coup? mort. Pardon? T'as Ouais, j'ai gagné? gagné, ouais. Ouais. Je vais couper en 3 et tu me diras comment tu veux que je place Bref, ça. comme. 2-3, Allez, hein. viens. Ok. 2 Allez. sur le 3 et sur le 1. Et tu vas faire la même chose, comme ça fait Allez, 6. donc 2, 3, 1. Allez. Ouais. C'est En tout cas, je parti. vois bien. C'est au Bon, top. Je vais nickel. lancer les dés. Oh là là, je fais un 12, quelle chance. Waouh, ben moi je vais faire 2. Non, 5. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire comme mon adversaire, je vais te laisser commencer. Ah ouais, pour choisir ton hooligan, c'est pas bête. Ok. C'est la petite subtilité du truc. On m'a fait le coup le round d'avant et C'est j'ai pas dit ok, bête. bon, c'est pas bête, Bon, bah, je te effectivement. laisse décider de mon petit sort, hein. Finalement, Attention, tu je auras peux de la voir tes chance. cartes là. Ouais, ok, pardon, pardon. Voilà. Attends, je me recule un petit peu. Ouais, c'est un kikinant avec les cams. Mais surtout en stream, on doit garder la cam assez droite. Donc Ouais. dès qu'on bouge un peu, ça se voit direct. Moi, faut que je change la mienne de webcam. Là, j'ai pris celle de mon fils, mais j'aime pas du tout le fisheye. Je suis pas fan. Non, ici, là, je suis avec une GoPro pour le moment. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autofocus sur la GoPro. Pour Ok. montrer des cartes, c'est embêtant. Mais je vais sûrement investir dans un appareil photo ou un truc sympa. Ouais. Qu'est-ce que je joue ça? Écoute, je vais en remettre 5. Oh, Comme ah ça, bah t'es ça va, libre. tu me Tu laisses des peux. Tu peux. possibilités là. Voilà, c'est ça. Attends, faut que je réfléchisse un peu quand même. Soyons pas très bêtes. Et t'es depuis longtemps sur YouTube? Alors j'ai commencé une chaîne familiale avec mes enfants. Allez, On cool. faisait parc d'attractions, etc. Et puis je me suis mise à l'Orcana, donc je me suis dit je vais rajouter l'Orcana dessus. Donc ça fait Ah, à mais c'est peu super près cool. 6 ans. Eh bien, il faudra que tu me donnes ta chaîne, comme ça je la Ouais. suis juste après. Ben ouais, c'est l'Orca Sab et compagnie. J'ai changé le nom du coup, mais je te donnerai Ok. le truc. Change 4 Allez, du coup. super. Ouais. Hop. Mais c'est J'ai vrai fait que mes petites j'avais cartes. un petit peu laissé la chaîne de côté parce que je travaillais dans la restauration, donc c'était très compliqué pour moi. Ah ouais, ok, ouais. Et comme je suis en arrêt maladie, maintenant je reprends ma chaîne en main. Et Ok, rien de grave au moins. je quitte la coiffe de l'épaule qui est en train de céder, mais Ah tant ouais, que je bon, c'est peux une belle tourner mes perte. cartes, c'est bon pour le moment. Ah
principal. C'est principal. Non, il y a une petite opération, la commu est au courant et... Ah, mais l'épaule, moi je suis prof d'éducation physique Ah et oui. les épaules, on connaît, c'est un vrai problème. Ouais. Et même avec les opérations, c'est embêtant. C'est ça. Donc je vais dire, on va mettre 3 dessus, 2 au milieu et un dessous. Attends, 3, 2, 1 3, du ok. coup. 3, 2, Ouais, ok. Et tu peux faire la même chose. allez, 3, 2 et 1. Et du coup, je vais te souhaiter une excellente game. Ok. Donc c'est moi qui commence. Oui, c'est ça. Du coup, Exact. qu'est-ce qu'on va ancrer? Qu'est-ce qu'on va ancrer dans tout ça? On va ancrer Grincheux. Ouh, les petits nains. Et pour un joyeux. Celui-là, Ah. il est insaisissable à son tour ou il a résistance? Pendant C'est son quoi tour, ça? il a insaisissable pendant son tour. Ok, très bien. Ah, c'est le Je premier long pioche. métrage quand même. J'étais obligée. Je vais ancrer un Jafar. Ouais. Et pour un, je vais jouer Aladdin. Ok. Et un 3. Donc tu joues Et Bambi. je Ok. vais. Et je vais dire à toi. Ok. Un 3, il fait rien d'autre ou il a pas de texte? Non, Ok. rien du tout. Non, Draw. rien du tout. Sur le chat, on dit les beaux des roses. Ils sont fans de tes des roses. Ah, merci. Eh, ils ont pas vu mes mini-dés. J'ai des Oh là dés. là, oh, excellent les deux. Il faut être capable de les prendre, hein. Cool. Allez, je vais ancrer, je vais ancrer. Simplet. Oui. Pour deux, je vais jouer le chasseur. Lorsque ce personnage est dans l'aventure, je peux piocher une carte et en défausser une. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu me disais, il a combien d'attaques ton... C'est une 1-3. 1-3. Ok. Et ben, je vais rester comme ça. À Très bien. toi. On me dit, mais non, trop cute, oh trop kikine. On parle de tes petits dés, ils sont amoureux de tes petits dés. Ah oui, mais moi je Je suis cute. pioche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Je vais probablement ancrer ceci. Je vais ancrer un grand Jafar. Ouais. Et pour deux, je vais jouer un petit Jafar. C'est une 3-2 qui l'aura pour un. Et c'est comme ton petit nain joyeux. Il Il est est insaisissable. insaisissable à son tour. Et moi, je vais partir pour un. Premier lore. Et je le mets ici, comme ça, je ne sais pas si tu Ah vois. oui, ouais, mais je vais le mettre de Mais mon je le mets sur côté, le stream voilà. aussi, Ouais. comme ça. Pas de souci. À moi. Oui. Je draw. Tu as déjà vu Alors. un grand nain, ouais. Du coup. Ok. Je vais ancrer timide. Pour 3, je vais jouer le prince en rempart. Tu Ouh vois là là, là. voilà. Et je pars pour 3. 1, 2, 3. Et je vais. Je défausse une carte. Donc je défausse Blanche-Neige pour piocher une carte. Et c'est à toi. Je détape, je pioche. Il me reste 3 cartes. Très bien. Je vais ancrer. Qui trouve garde? Et pour 3, je vais jouer un deuxième Jafar. Je peux regarder les deux premières cartes du dessus de mon deck, Ouais. en mettre une au-dessus et une en dessous. Ok. Une au-dessus et une en dessous. Et l'autre au-dessus. Et il a résistance plus un, notre copinou là-bas. Il est embêtant, hein. C'est un prince. Je vais aller l'attaquer et il a 3 d'attaque, donc je vais lui mettre 2 points de Tu mets dégâts deux, et lui il ouais. prend 1. Et moi je pars à l'aventure avec mon petit Aladdin pour 1. Et donc je suis à 2 et toi à 3. Et je vais dire à toi. Ok. Draw. Je redresse tout le monde.
3, et ben je vais en mettre un deuxième. Ouais, parfait ça. Écoute, est-ce que j'ancre ou pas? Non, je ne vais pas ancrer. Et Très bien. je pars pour 5, je passe à Oui, 8. oui, oui. 1, 2, 3, 4, Et du 5. coup, je peux défausser si je veux. Eh ben non, écoute, je ne ferai pas son effet au chasseur. Très bien. C'est à toi. Je détape, je pioche. Alors, je vais ancrer. Et pour 4, je vais jouer un Jaffar. Jaffar qui a plus 3 offensives, donc c'est une 5-5 quand elle Ouais. attaque. Et à la charge? Non, elle n'a pas charge, elle n'a pas Ok. charge. Je vais quand même aller tuer ton prince qui était déjà blessé. Et je vais partir pour 3 de l'or. Je suis à 5 et toi à 8 et je vais dire à toi. Ok. Je draw. Pour deux, je jouais Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, mes nains me coûtent un de moins. Ok. Je vais ancrer prof. Et pour deux, je vais mettre la mine des sept nains. Ah oui, ça fait des dégâts, c'est ça. Ça peut faire des dégâts, ouais. Si je mets un nain, enfin un chevalier intérieur 2 et un personnage normal, ça fait un Ok. dégât. Là, par contre, j'ai plus rien. Alors, ce que je vais faire, il va partir l'aventure pour 2, je passe à 10. Je discarde Blanche-Neige pour piocher une carte. Ok. Et ensuite, sur le board, le jeu. Le Aladdin, c'est une 2-3 et le Une Jaff 1-3. 1-3. Donc, ouais, et 1-3, ça c'est une 2-5, et là c'est une 2-2. Ouais, bon, bah, ce qu'on va faire, une 2-2. Et à l'offensive? Non, celle-ci c'est juste une Ouais. 2-2 simple. C'est juste Non, une rien de plus. 2-2 qui l'aura 2. Voilà, c'est ça. Bah, je vais te la taper avec mon joyeux qui te met 2 Oui. dégâts et on est morts tous les deux. Très bien. Et avec mon prince, je pars pour 2, je passe à 12. À 12. À Très toi. bien. Alors, je pioche. Je vais déjà aller taper ton prince. Et du coup, c'est une 5. Donc, il prend les 3 points de dégâts et il meurt. Moi, je prends un point de dégâts. Je vais aller taper ton. Je sais plus comment il Le s'appelle. chasseur. Le chasseur. Je prends un point de dégâts aussi. Alors. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais en créer un Jaffar et pour deux, je vais jouer une lanterne. La lanterne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand je peux la bannir, si j'ai un Jaffar en jeu et que je la bannis, je peux piocher 2 cartes. Et si j'ai un génie en jeu, je peux la bannir et choisir une de tes cartes qui a 4, enfin, qui coûte 4 ou moins et la renvoyer dans ta main. Donc ça, c'est un objet, je le laisse ici. Et du Ok. coup, je vais dire à toi. Je ne peux plus rien faire d'autre. Draw. Deux. Du coup, parce que je joue un nain, parce que j'ai un de moins avec Blanche-Neige. Ah, et je marque mon point de l'or, je passe à 13 pour ma mine, pardon. Ah oui, ça alors, ça Et c'est pour bon. deux, je vais mettre Simplet, qui est un chevalier dedans. Oui. Et je vais tuer. Alors attends, Jaffar, c'est un 2-3. Non. 2-5. 2-5. Ok. Et l'autre, c'est. Ben, je vais mettre deux à Aladdin. Très bien. Et ça, tu peux le faire à Et. chaque tour ou c'est seulement Non, quand il c'est en rentre une case fait à blanche? chaque fois le premier qui est déplacé dans le lieu. En fait, je peux le faire. Si je rejoue un nain D'accord. dedans, je peux plus. C'est qu'une Ok, fois par c'est tour. ça. Ça va. Et c'est une fin de tour pour moi. Très bien. Alors, je détape et je pioche. Je vais ancrer Force Hypnotique. Pour 5, je vais alter le gros Jaffar. Ouais.
Et je vais chanter ce rêve bleu. Ok. Tu connais un peu le Bon, gros, oui, le non, mais prochain tu passe? joues style song, donc. Ah ben voilà. Donc là, je prends J'avais, ouais. 7 de l'or d'un coup. Je suis à 11. Et je pioche cette carte. 4, 7. T'as combien Il de me l'or? reste un. Je suis à 11. Et qu'est-ce que je peux jouer? Je ne peux plus rien jouer, mais je vais bannir ma lanterne. Comme j'ai un Jaffar, je peux piocher 2. Et comme je pioche 2, je prends 2 de l'or en plus. Je suis à 13. Et je vais dire à toi. Ok. Du coup, donc 13. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il a combien d'attaques, lui? Il a 6 de défense, hein? 5, 5, 5. Cinq, ouais. Ouais, alors 5 de attends. défense. Tu as pris un point de l'or avec ton lieu, tu Ah as oui, 14. pardon, chaque fois 14 du coup. Ok. Pour deux, avec Blanche-Neige, je joue Grincheux. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors lui, mes personnages, mes chevaliers sur un lieu ont résistance plus 2. Et Très pendant bien. mon tour, il a insaisissable. D'accord. Et pour 2, je le déplace dans le lieu. Et du coup, je te mets 2 dégâts à Jaffar. Ouais, je suis à 3. Il tape à combien déjà, lui? À 4, mais il est insaisissable. Il est insaisissable, là, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, je pars pour 1. Je passe à Tu as 15. 15. J'ai pas ancré. Je vais ancrer. Je vais ancrer qui? Je vais ancrer prof. Et c'est une fin de tour. Très bien, je l'étape, je pioche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? 3, 4, 5, non. 1, 2. Et là, tu fais combien? Tu fais 4, tu montes à 19. Ouais. Si je fais 5, ça fait 4, 17. Je vais. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais ancrer force hypnotique. 4. Je vais partir à l'aventure pour 1. Je Ok. suis à 14. Oui. J'ai un truc à deux à jouer. Ça fait 3, 4, 5. Tant de temps. Je vais jouer pour. Désolé, je perds un petit peu de temps. Pas de souci. Je. En plus, on connaît pas trop les Vas-y. decks, donc Ben oui, c'est ça. c'est ça. Non mais pas de souci. Faites 4. Écoute, 4, 5, 6. 6. Je vais jouer pour 5. Je vais jouer qui trouve garde. Donc je pioche 3 cartes. Ok. Du coup, je gagne 3 de l'or. 1, 2, 3, je suis à 17. Sept.
Je désancre pour deux. Je vais mettre la lampe, je vais la bannir pour piocher deux. Vu que j'ai un Jaffa en jeu et gagner deux, je monte à 19. Et c'est une fin de tour à toi. Je pioche. Tu gagnes un point de l'or, t'es à Ah oui, 16. pardon, excuse-moi. 16. Je joue jamais de lieu, alors. Pas de soucis. Du coup. Pour 3, je joue grincheux. Alors, question, est-ce que ça se cumule les résistances plus 2, vu que j'en ai deux qui donnent plus 2 résistance au chevalier? Ouais, je suppose, oui. Ouais. Et Ouais, je pour suppose, 2, je le mets dans le lieu lui aussi. Donc je te oui. mets 2 à Jaffar. Ouais. Ouais, et je meurs du coup. Du coup, je pars pour 1, 2 et 3 avec le Et simplet. trois. Je passe à Tu as 19 19. et c'est à toi. Et je ne peux Ouais. plus rien faire. Je pioche. Et c'est bien joué. À toi. Bah, merci. Ouais, J'avoue que bien ce joué. rêve Bah, bleu m'a sauvé un peu la vie aussi, quand mais je même. réfléchis. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais pu l'avoir autrement? Ouais, Jaffar j'ai est pris très cher fort, sur la hein. bubble. Jaffar est très Ouais. très fort, hein. Et c'était serré, hein. C'était serré. Bien joué. Bien joué à toi aussi. J'aurais peut-être pas dû partir avec le Jaffa parce que j'ai eu ce rêve bleu à la fin. Ouais, Et ce je sais rêve pas. bleu m'aurait sauvé en chantant avec le Jaffar, j'aurais fait 7 de l'or. En tout cas, bien joué à Ouais. toi. Ben merci, hein, toi À aussi, toi. hein. Et bon, ben voilà, j'ai gagné 1 à 1. 1-0, du coup, c'est un B1. Donc, il était super sympa. Là, je vous ai mis, il m'a envoyé par message son lien Twitch. Alors, ça s'appelle One Lore Lorcana sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Écoutez, les amis, je vous mettrai le lien dans la description de toute manière. Il était sympa, je me suis abonnée. Parce que moi j'aime bien aller voir les streamers sur leur canal, ils sont pas assez nombreux, donc donnez-leur de la force les amis. Donc voilà, allez le voir. Et ben moi je vais relancer, je pense que tout le monde a fini, donc je vais relancer la prochaine game et let's go. Alors le plus grand commence, c'est ça? Oh. Ou choisit? Oh, choisis, choisis. Allez, 8. Je vais réfléchir. Je vais te laisser commencer. Ok. Deux, quatre, six et sept. Voilà. Ça. Je vais mulligan à 4. Ok, ça marche. Deux et 4. Ok, je me regarde 3. Wow. J'ai des petites mains et des tas de cartes sont trop grands. Alors, Ah, je vois le beau tapis. Jetsam et faire Ouais. un Honda à toi. Ok. Je draw. Je vais en créer un joyeux. Et je joue un joyeux. À toi. Quoi sont les filles?
Son effet, c'est juste qu'il a saisi ça pendant son tour. Ah, ok. Ok, je vais l'aurai pour deux. Ouais. Je vais en créer une Ursula. Et pour deux, je vais te le renvoyer en main. Avec pauvre âme. Tu me renvoies mon joyeux en main, c'est Ouais, en ça? main. Ok. Ouais. À toi. Bon. Je vais en créer qui maintenant? Simplet. Et pour deux, je rejoue joyeux et la reine. Ok. C'est à toi. Ok, donc je reprends deux. J'ai ancré une Ursula pour 3, je vais faire un Jetsam, il a hors d'atteinte. Ok. À toi. Draw. Lui, Léonda, il défausse une carte, c'est ça? Ouais, si tu tapes dedans, faut que tu défausses. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour deux, je vais shift la reine. Je vais quand même. Non, je vais pas ancrer ce tour-ci. Elle va partir pour 2. Donc je passe à 2. Elle va descendre ton attaque. Bah non, tes ondins, ils ont de toute manière 0. Et Ouais. je vais quand même l'attaquer. Et je vais me défausser d'une carte quand même. Ça ne servait à Ouais, rien, ouais. mais c'est pas grave. Je me défausse de Blanche-Neige. OK. Voilà. N'importe quoi. Tellement l'habitude de baisser et remonter. À toi. OK, vas-y. Draw, pomme de terre. Pour 3, je vais jouer un Flotsam. Alors, les Jetsam et Flotsam communiquent entre eux, donc les deux ont hors d'atteinte. Et les deux, si tu les bannis via un défi, ils se remontent en main. Parce Ok. que lui, de base, il le fait, et du coup, il le donne à l'autre. Ouais. Je l'ai joué en ligue, ça, ouais. Ok. Voilà. Et je vais ancrer un Jetsam. Et pour un, je vais faire une trick. Pas pour deux. À toi. Draw. Il est, c'est un combien celui qui est penché? 4-2. 4-2. 2-2. Ça, 2-2. c'est 2-2. D'accord. Je manque très timide. Pour 3, j'ai joué un prince en rempart. Ouais, ok, je connais. Elle part à l'aventure pour 2. Je passe à 4. Du coup, elle va faire moins 4 plus 4 Hors sur d'atteinte. joyeux. Ah oui, hors d'atteinte. Ah, Ouais, même ça, c'est hors hors d'atteinte. d'atteinte? Bah, suivez, tu cibles, tu me cibles, Ouais, tu bah je vais le cibles. cibler quand même. Et c'est un 2-2, Ouais, c'est je cible. ça? Ouais, 2-2, donc Donc, tu bah, ils cibles meurent quand tous même. les deux. Ok. Mais moi, il remonte en main. Ouais. Mais bon, ça l'aura à 2 quand même. À toi. Ah, je savais pas que là-dessus, sur les effets comme ça, c'était aussi que ça fonctionnait. Tu vois, tu m'apprends un truc. Bah, tu le cibles, tu choisis un personnage. Ouais, mais je croyais que Bien c'était que les ciblé. chansons, les actions, en fait. Non, ça peut être des effets Ok, aussi. ouais, bah c'est bien, moi, comme ça j'apprends des trucs, parce que je joue pas ça normalement, mais. Ok. Ouais, bah ouais. Oh. Ok. Ok, on va ancrer un Jetsam. Ouais.
Il a 4-2, bah on va tous faire. Ah non, attends, il y a... oui, mais ça marchera aussi. Ouais, parce que le prince il est en rempart, mais de toute façon. Attends. Je vais taper le prince hein, à 4. Du coup, il te met que 1. Un peu. Ouais. Et pour. Ah, on peut faire ça. Pour 4, on va faire un autre Jetsam. Il est insaisissable et il donne insaisissable à l'autre. Donc tout le monde a Ok. insaisissable. Ok. Et pour un petit, lui, il va dans la crique en plus. À toi. Draw. Pour deux, je vais jouer Blanche-Neige. Les 7 nains coûtent un moins 7. Ouais, fait un moins un pour jouer les nains. Ouais. Et du coup, lui, si je te le banne, il remonte en main, c'est ça. Ouais, de base, mais il est insaisissable du coup. Ouais, il est insaisissable. Alors, ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'ancre? Est-ce que j'ancre pas? Il va falloir que j'ancre à un moment donné quand même. Je vais ancrer un prince. Et pour deux, je rejoue une Blanche-Neige. Ok. Du coup, ah ben voilà. Ben pour deux Blanches-Neiges, je joue un prof. Lorsque vous jouez ce Bah ouais. personnage, je peux piocher, bannir et piocher deux cartes. Donc Ouais, bien sûr. défausser. Voilà. Et du coup, pour 1, je rejoue Joyeux qui est insaisissable pendant mon tour. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, la reine, elle va partir pour 2. Je passe à 6. À toi. Et pour 3, on va rejouer le Jetsam hors d'atteinte. Ouais. Du coup, lui, il va crash dans l'arène. Ouais. Et il se remonte en main. Il t'a pas 3, hein, c'est ça. 5, là, Ah, 5, là, bon, il a c'est pas bon, on a pioché. le compte, c'est bon. Ouais, largement. Je vais ancrer une Ursula et je vais le rejouer. Et lui, il va l'aurait pour 1. Et c'est à toi. Il bounce en fait. Je draw. Hop là, une carte. Oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Alors, du coup, ils remontent tous en main, c'est ça? Ouais. Là, ils remontent tous en main. Ils ont. Ces deux-là ont hors d'atteinte. Et ces deux-là ont insaisissable. Ok. Du coup, je vais ancrer Hatchoum. Pour 5, je vais jouer Blanche-Neige. Elle donne résistance plus 1 à chaque chevalier. Ouais, ils sont tous. Enfin, ouais, du coup, ils sont tous. Voilà. Donc du coup, eux, ils partent pour 2. Je passe à 8. Et je réfléchis. Non, à toi. Ok, alors pour ouais. Pour 6, on va jouer Flotsam et Jetsam. T'as un 5-5 qui l'aura 2 et il est considéré comme Flotsam et Jetsam. Donc lui, actuellement, il a insaisissable, hors d'atteinte, il se remonte en main. Ouais, il y a tout. Et il a beaucoup. Alors. Ok, on peut faire comme ça. Donc il a résistance plus 1.
Alors, du coup, le Jetsam à 3-3 va taper sur le joyeux. Ouais. Qui se prend juste deux. Deux. Lui va dans le prof. T'as pas 4. Et lui, il or pour 2. Et c'est à toi. Je pioche. Pour... Non. Non, pour gratuit. J'ai joué prof. Du coup, je pioche deux cartes. Et du coup... Pour deux, je joue timide. Ça fait 4 avec les deux. Et du coup, pour 5, enfin 5 avec les deux, je joue joyeux. Du coup, Timide peut partir à l'aventure que lorsqu'il y a des nains avec lui. D'accord? Là, on est d'accord jusque-là. Et lui, il la soutient quand il part à l'aventure. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est que je pars pour 3. Donc je passe à 11. Et avec les deux Blanches-Neiges, je pars pour 2, je passe à 13. C'est à toi. Pour 4, tout le monde est dans la crique. On a plus un, ouais. Okay, alors, la Blanche-Neige, elle a juste 3-5 là en stade. C'est Elle a pas... 3-5, ouais. Ok. Ok, du coup, le gros Flotsam Jessa, ça, du coup, 6-6 va aller taper dedans. Se prend 3. Tac. Et ensuite, Flotsam dans la Blanche-Neige. Les Blanches-Neiges. Le Jetsam dans l'autre Blanche-Neige. Et ça alors pour 2. Et pour 2, je joue une Ursula. Ok, bon, j'ai pas de, Ouais, de carte. à toi. Allez, draw. Ok, donc pour 3, simplet. Donc si j'ai un autre chevalier en jeu, je peux te mettre un dommage. Un personnage aussi, ouais. Ouais, donc du coup... Mais ils ont tous. Alors attends, Ah lui il ouais, a ils hors ont d'atteinte. tous... Ils ont tous. Non, lui il est pas hors d'atteinte. Eu port d'atteinte. Ok. Lui il est pas. Et lui, c'est un Il est combien? pas. C'est un 3-5? 3-3. 3-3. Et ben écoute, je vais mettre un à lui. Du Lui il est coup. pas hors d'atteinte. Par contre, ils se remontent en main grâce à Ouais, lui. ça va, ouais, j'ai compris. Ok. Et alors attends. Je pars avec tout cela, donc je marque 6, je passe à 19. À toi. Pour 4, je vais jouer le jardin d'Ursula. Il fait quoi, lui? Alors, et c'est un lieu qui me l'or pour un à chaque fois, à chaque tour. Et tant que j'ai au moins un personnage épuisé de suite, tes personnages perdent un éclat de l'or. Ok. Je peux attaquer. Alors, en main. Alors du coup, ouais, le gros Flotsam Jetsam va taper le 2-5. Attends, il est dans le...
Timide au milieu. Timide, ouais. Le 2-5. Il tape à combien, lui? 5. Un 5. 6 même dans la crique, il est À dans la 6. crique. Ensuite, Flotsam qui tape à 5 aussi grâce à la crique, il va taper dans le 3-5. Il se remonte en main. Ouais. Ensuite, le dernier Jetsam, Flotsam va taper à 3 le off. Ursula va l'orer pour 1. Ouais. Et pour 2, je la déplace dans le jardin. Et du coup, tous tes personnages perdent un éclat de l'or. Donc là, il en pour 0. Ouais, ok. Et j'ai pas ancré, mais je vais pas le faire. Et c'est à toi. Donc. Pour deux, dormeur, il est rentré épuisé. Ah, il rentre plus haut, tout ça. La Ursula, elle est 2-3, non, 2-3 maintenant. Un 3. Non, non, elle n'est pas dans la crique. Elle est pas dans la La crique. Ursula, elle est juste dans le jardin. Ok. La crique, c'est les deux. Attends, je vais mettre comme Ok. ça. Ok, et les autres remontent dans ta main si je les tape. Plus maintenant, non. Les deux ont hors d'atteinte, là, c'est tout. C'est tout. Et ben je vais taper le. Lequel qui tape le plus fort là des deux? Bah, le violet, du coup, il Allez, tape ben le aussi. violet. Du coup, Ah, je il meurs. remonte pas en main. Et c'est à toi. Ok, tac tac, donc je gagne un éclat de l'or avec le lieu. Ouais. Ok, pour 3, on va rejouer celui qui permet de remonter en main à tout le monde. Lui, comme il est dans... ouais, lui, comme il est dans la crique à 3, je vais taper dans le dormeur. Enfin, non, c'est le dormeur. Dormir, ouais. Je le tue, il remonte en main. Et pour 3, je joue Zed-Sam, celui qui donne insaisissable à tout le monde. Ouais. Pour 1, je l'or, enfin avec la, je l'or pour 1 avec madame, elle est toujours dans le lieu. Là, plus personne n'est dans le lieu. Non. Et je m'arrête là, toi. Non. Pour 4 grincheux. Du coup, ça te fait 15, 16, 17, 18. Ouais. Bah, fin de tour, hein. Je peux pas faire Draw. Ok, du coup pour 3 on va jouer, rejouer le Jetsam qui avait hors d'atteinte et on va rejouer pour 3 un deuxième Flotsam. On va les mettre en haut. Tac. J'avais gagné aussi un lore avec le Ouais. lieu et je passe à 18 et du coup ton personnage il perd un éclat de l'or Ouais. et c'est à toi. Eh ben tu l'as, hein. Bravo, hein. Bah, t'as le top deck, hein. Ça, je l'ai top deck, C'est mais ça, c'est vraiment trop ce dégueulasse. truc-là d'Ursula qui est vraiment fort, ce lieu. C'est pas trop dégueulasse, effectivement. Ouais, non, là, C'est pas trop. c'était vraiment très Oh là bien. là. Si j'avais pio, tu vois, j'avais que des persos à 1. Je me suis dit, dans l'espoir de Ah, le piocher un dormeur, je me suis truc. dit merde, mais comme il entre en jeu épuisé, bah en fait, j'ai juste à taper, quoi, Ouais, c'est. tu vois, par exemple, j'avais eu un prof, tu vois, c'était gagné. Un prof, c'était bon, ouais. Ouais. Mais ça D'ailleurs, s'est joué à désolé, la. t'as bien pioché avec l'autre prof qui m'a mis très mal, si Ouais. sinon. Bravo. Ah bah c'était pas mal celle-là. C'était. Ouais, c'était serré. Ouais, c'était sérieux. Ok. Bravo. Yes. T'en as gagné combien du coup? Bah deux là, du coup. Deux, ça te La fait deux deuxième, de c'est un. gagner? Ouais, la première, je l'ai perdue. Ok. Bah moi je suis à deux gagnés, une perdue du coup.
Bah oui, c'est logique, vu qu'on s'est Ouais, bah oui, arrêté. du coup. Bon, bah on est pareil. Mais c'est sympa. Ouais, Flotsam, en fait, c'est tout. Oh là là. Ah, ils ont tout, Ah ouais, et en fait, encore, il y en a un. tu Ah, cherches même t'as plus pas vu trop à toute la taper build? dedans, quoi, en Ils ont pas fait. tout. Il y en a C'est. un qui donne 3 de force aux autres, et il y en a un qui donne offensif plus 2. Ouais, c'est Encore, qu'on n'a juste. pas vu. Et il y en a un qui a charge et qui donne charge aussi à tout le monde. Ah, c'était ça. C'est pour ça que je te demandais s'il avait. Ah non, c'est pas toi que je demandais si on cherche. C'est quelqu'un d'autre. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a 6 au total, plus celui qui prend tout, quoi. Ouais, Et les soins. tu joues un deck poisson, quoi. Bah, il y a assez de cartes pour faire un deck avec tout ça, donc c'est pas plus mal. Ouais. Bien joué. Bravo. Ouais. Allez, avec le résultat. Bon, ben voilà, les amis. J'ai perdu ma première game. Ça s'est joué de peu, hein. 19. J'étais à 19$. Ce lieu, il est juste horrible, en fait. Il est vachement fort. Il est vachement fort. Bon, écoute, on va attendre la troisième game. Quatrième game, pardon. Je crois qu'on a 5 manches, il me semble. Et puis, donc, il en reste plus que 2. Allez, c'est parti pour la dernière. Avant-dernière, pardon, je dis n'importe quoi. Ah, ça y est. Désolé du retard, je suis désolé. Suis pas toute seule. J'ai cru que je m'étais trompée à un moment donné. Ah là là. Bon, bah écoute, on lance les dés. T'appelles comment? Allez, Cédric, et toi? Sabrina. En fait, 11. je fais ça. Du coup. Écoute, je commence. Ça marche. Alors, tu vas passer sur YouTube. Ah, c'est beau. Avec ton beau Ça tapis me fait donne le rêve. clochette. Merci. Le beau, t'as du choix pour Comment? le sortir, mais d'appel, moi. Tu veux, je peux changer et je peux mettre aussi à toi, tu changes, quoi. Ah bah. Mais non. Regardez, je te clochette, il est joli. J'ai la clochette aussi. Le coco, comment? Alors, tu veux C'est le coco, couper? Tu comment? veux couper? Pas couper? On peut couper en deux si tu veux, si ça te va Allez, bien. comme tu veux. Allez, hop là. On coupe en deux. Donc, je commence. Donc, tu choisis mon ligand, c'est ça? C'est ça. J'espère que tu vas beaucoup me Alors, c'est toi. liguer. Alors. Je suis deuxième. Je vais en changer 4. C'est sympa. Eh bien, c'est parfait pour vous. Quatre aussi. Tac, tac. Ma fille, elle a le même tapis que toi, elle me l'a fait acheter l'autre fois. Alors. Parce qu'elle joue. Elle joue adhésive crème. D'accord. Du coup, ça va bien avec, elle a dit. Et toi, les grises aussi, ça va bien avec. Donc, on recoupe en deux. Moi, j'appuie tout en coupant deux. C'est parti. J'entre une 38. reine et pour un, je joue une reine. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà le deck que l'autre joue dès le premier perso. Ça dépend, parce qu'il y a des objets qui peuvent être utilisés. Putain, c'est bien nous ça. Ouais, mais ça va, je connais bien mes Je peux. classiques en principe. Donc, on peut faire comment? Je vais ancrer Mulan. Ouais. Et pour un, je vais jouer Yishang. Et c'est à toi. Yishang, il fait quoi? Rien de spécial? Il fait rien de spécial, c'est une 2-2. Ok. 2-2 Andor. Ok. Comme t'as. Draw. Eh ben, décidément. Qu'est-ce que je vais ancrer, moi? Je vais ancrer simplet. Pour deux. Je vais shift la reine.
Et elle part pour deux. À toi. Chapeau. Ah oui. Pour deux, je vais jouer médaillon lesté. Médaillon lesté, je peux payer deux. Choisir un personnage qui gagne plus deux pour le reste de mon tour. Et si le personnage défie un de tes personnages, je pioche une carte. Ok. À toi. Donc, je redresse la reine. J'ancre Hatchoum. Pour 3, je joue le prince en rempart. Et je pars pour 2 avec la reine. Je passe à 4. À toi. Il a résistance plus 1. Pour l'instant, je vais activer médaillon lesté pour 2. Je donne plus 2 du coup à Li Shang. Li Shang elle passe à 4. Et je vais taper ton prince. Pour un dégât, l'effet du médaillon lesté, je pioche une carte. On va le faire comme ça. J'en fais Fazo et ça va être à toi. Draw. J'ancre Grincheux de nouveau. Pour 3, je rejoue un prince en rempart. Très bien. Et pour 1, ben je joue une reine. Elle va partir pour 2. Je passe à 6. C'est à toi. Je vais ancrer médaillon lesté. Pour 4, je vais jouer Mulan qui a charge, 4 d'attaque, 3 de dos monté. Elle va du coup taper le prince en 1 de dégâts. Je vais faire ça. Je vais faire ça après. J'ai une crise que tu as la quête aussi. Tu as flippé une carte en main. Je vais faire cet effet-là. Je vais dire à toi. Je draw. Pour 2, on shift la reine. Ah, c'est beau ça. C'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est un deck blanche-neige ou c'est un deck la reine? Je sais pas, regarde ma bague. C'est la bague de la reine. Ah, c'est trop bien. Du coup, elle part pour 2. 1, 2. Donc elle va faire moins 4 plus 4 qui va taper ta Mulan. Et fin de tour à toi. Je vois que j'ai eu de la chance de piocher. Comment on fait les choses maintenant?
je fais un peu plus ardent. Ouais. Pour 3, je vais jouer Ling. Ling qui donne plus 1 d'attaque au personnage héros, donc à Li Shang. Il attaque à 3. Li Shang va taper et attaque à 3 sur une terrain. Ok. Pour 2, je vais jouer Mulan qui a 1 d'attaque, 3 de défense. Et à chaque fois que je joue une action, elle a plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Ok. Un tour à toi. Trop. Pour deux, je joue le chasseur. Pour l'aventure, tu pioches une carte Ouais, d'aventure. c'est ça, et j'en défausse. Je peux. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Li Shang, il est combien, lui? Link, il a À Ling. 3-3, et Mulan, grâce à l'effet de Link, c'est une 2-3 en ce moment. 3-3, 2-3. Ok. Je vais rester comme ça, à toi. Tu peux piocher du fossé avec ça. J'irai comme ça. Hein. Pour 4, je vais jouer Avalanche. Je vais afficher un dommage à tous les personnages adverses. Et je peux bannir un lieu si on a un sur le catapulte. Sauf que ton chasseur il est banni. Ah Il oui, prend un c'est dégât s'il y vrai. a un. C'est pas C'est pas grave. là. Est-ce que je dis à toi? J'ancre. Je vais dire à toi. Gros. J'ai une carte en main. Pour deux, je joue Blanche-Neige. Elle va guérir de 1. Ah, c'est beau. Elle est gentille, les gars. Elle est belle, hein, gentille. Et pour deux, je jouais Dormeur épuisé. Et on va dire. Ah. Qu'est-ce qu'il va me faire encore des dingueries là, avec tes trucs Du coup. Non, on va dire à toi. Je pense que oui, il va y avoir une dinguerie. Pioche. Hop. Pour 5, je vais tout de suite à Alter Mulan. Ouais. Tu la connais peut-être ou peut-être pas. Du coup, Je sais elle plus. arrive en. C'est une 2-6. Quand elle arrive en shift, elle a plus 3 pendant mon tour. Et quand je défie un personnage, je l'inflige à 2 autres personnages autant de dommages que j'inflige au premier. D'accord. Donc, je vais attaquer Dormeur. Là, elle a 6 attaques avec Ling. Et du coup, j'inflige 6 à Blanche-Neige et 6 à la reine. Waouh. Tu m'as fait ta dinguerie. Exactement. Le Dormeur de Mamie. Et Ling par l'aventure, je fais mon premier éclat de l'or. Et je vais dire à toi. Donc, Toujours pas carte en main. pour deux, Blanche-Neige. Ok. Pioche. Alors. 1, 2, ça Blanche-Neige. Donc je vais ancrer décret impérial. Pour 3, je vais jouer à un autre Ling. Pour 3, je vais jouer à un Li Shang. Les personnages qui ont 4 d'attaque ou plus gagnent un point de lore supplémentaire. Et comme j'ai deux lignes, et du coup ça donne plus 2 à Mamulan, donc c'est une 4-6. Donc elle a un lore supplémentaire avec Li Shang. Je pars du coup à l'aventure avec Mulan. Ça fait 3, je passe à 4. Et Ling qui part à l'aventure, je passe à 5. Et je vais dire à toi. Pioche. Ah. Le problème du nom d'un crâble. Je suis obligée de passer. C'est la grosse Blanche-Neige dans les mains, c'est ça? Une pioche. Pour 3, on va remettre sa ligne. Pioche. C'est l'armée. Il avait dit.
Du coup, je pars à l'aventure, ça fait 5 et 2, 7. Je passe à 12. Et je dis à toi. Alors, bon. J'ai ancré la mienne. La fameuse Blanche-Neige. Écoute, écoute, toi t'as 12, 13, 14, 15, 16, 14. 17, 18, 19, non, avec qui fait un lore de plus, c'est ça? Voilà, j'ai 3, ça te fait passer à 15. Et les deux là, ça fait 5. J'ai fini. Bah t'as fini. C'est Bravo. cool. Ouais. Bravo, bravo. C'est dommage que tu aies eu trop de noms en crâne. C'est ça. En fait, ouais. J'ai bien C'est démarré le et problème. après ça m'a fait j'ai briqué de fou. C'est le problème des haltères en fait. Ouais. C'est que du coup tu joues deux cartes pour avoir une seule carte. Ouais, Et la c'est reine est ça. très forte, mais du coup ça t'empêche Ouais, c'est ça. de Mais rencontrer ça. bon, Par contre, elle. c'est dommage que tu. Je pense que tu le joues quand même le. Comment ça s'appelle? C'est le prof. Le Ouais, le prof, prof, je le joue quatre le. fois, ouais. Quatre fois. C'est dommage que tu l'aies pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Bon, ben ça y est, c'est parti pour la cinquième ronde, les amis. Donc, on y va. Table 6, je joue contre qui? Table 6? Non. Table 5, je dis n'importe quoi. Table 5. C'est pas possible. 1, 2, 3. Ok, attends, je relance. Table 5, si. Table 5. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Attends. Alors, attends, il n'y a plus de micro. Coucou. Bonjour. Ah, c'est normal qu'il y ait deux Ariel? Ah. Voilà, c'est parce que j'utilise mon téléphone pour filmer et mon ordinateur pour voir l'écran. Ouais. Ok, d'accord. Ok, bon ben j'aurai un truc vert au milieu. C'est pas grave. Moi aussi je filme sur YouTube. Ok, Écoute, ça Ariel. marche. Oui, mais bon, ton tapis. Merci. Ariel, c'est mon deck de cœur, ça. Tu t'appelles comment sinon? Cynthia. Cynthia. Ah oui, j'ai vu dans le pseudo. Moi, c'est Sabrina. C'est moi qui ai gagné les deux parties parce que j'ai pas pu jouer les deux premières manches. Ah oui? Ah, d'accord. Ok. Ah, tu vas pouvoir un peu plus. Tu vas te déchaîner sur moi alors. Va, après, on a pu quand même jouer, mais sans que les résultats soient Ouais. annoncés. Voilà. Okay. Bon. Est-ce que tu veux couper? Comment tu veux couper? Droite gauche. Allez, droite gauche, allez. Je crois que c'est un truc comme ça, mais bon. Le plus grand commence. Ouais, on joue avec un Enfin, seul dé ou deux? choisis. Ah, moi j'ai 2 dés. J'ai fait 10. Si c'est 2, 10, 11. 11. C'est ça. Ah, c'est les petits dés, Ursula. Eh bien, tu choisis. Oui. Là, ouais. Je veux bien commencer. Ok. Mais il m'a tué le gars d'avant. Bah. Il gagne que à 1. J'ai veillé. J'avais Ah. que des cartes non ancrables. Ah non. Ça c'est pas fou quand même. Ouais, c'était pas cool. J'attends que tu jettes ton sort. Du coup, c'est toi qui dois dire à combien on met les gammes? Ah oui, c'est moi, c'est vrai. C'est vrai vu que ça commence. 4. Ouais, moi j'attendais que tu me dises. Quatre, je suis sympa, t'as vu. Oui. Bravo, sinon je pourris ma main aussi.
J'ai muté le son. Voilà. On fait comme tout à l'heure. Hop. Allez. On a visé droite gauche. Ouais. Ça glisse sur mon bureau. Ah, c'est vrai. Ok. J'ai du moins vegan à 6 mois. C'est sympa, j'ai l'impression qu'il y a, on est beaucoup de filles. Ouais, ben moi ça me fait du bien parce que là on joue, on est deux filles. Ah oui. Ouais. Nous on est combien? Je crois qu'on n'est pas plus, hein. Il y a moi, Sarah. Sarah elle est sur des... elle est ici aussi. Pas Sarah, Sandra. Et ben, je crois qu'on est que deux aussi. Enfin, nous on est. Après, c'est que des mecs. On est censé être quatre, mais il y en a deux qui viennent jamais. Donc on est deux régulières. Et après, il y a ma fille de temps en temps qui vient quand elle a envie, mais c'est pas souvent, quoi. Ah non. Mais. Elle a quel âge ta fille? Elle a 12 ans. Et j'ai essayé d'initier mon fils qui a 8 ans, mais rien. Ah, bon. Ok. Moi, mon fils, il joue aussi à 14. Bah, vas-y. Alors, je vais ancrer un développe ton cerveau. Ouais. Ok. C'est la belle loi dormante accomplie. Et développe ton cerveau. Jouer un développe ton cerveau. Ok. Mais c'est bon, t'es pas obligé de me les montrer. Hein. Ça va, tu peux pas jouer bleu rouge. Mais bleu rouge, t'énerve. Eh, je joue Amber Steel Song. C'est à moi? C'est à moi, c'est bon? Oui, c'est à toi, excuse-moi. Donc, j'ai droit. Ok. Et ma fille, elle joue bleu rouge pour m'embêter. J'ancre Grinche. Et pour un, je joue la reine. Et c'est à toi. Ok. Alors, j'ai un deck bleu rouge, hein, dans les gros tournois et tout, c'est ce que je joue en plus. Ouais. Hier, j'ai mis 2-0 quand même, j'étais contente. Ah. Ouais. Après, j'avais changé, je suis passée sur un vert violet. Et ah, oui. Là, mon pire cauchemar, c'était les Steel Song. Ah oui. Bah, Steel Song, ouais. Même vert gris, agro, violet, rouge, si. Ouais. S'il n'y a pas trop de lieu, ça va. Ouais. Du coup, je vais ancrer un serpent. Ouais, Mime. Oui, Mime serpent. Là, tu peux boudre. Ça. Mais ce que je vais faire, c'est que pour un, je vais faire un dernier picotage sur ta reine. Ok. Du coup, je suis à 7. Et pour un, bah, je vais refaire développer ton cerveau. Ok. C'est pas terrible aussi. Je vais garder celle-là et je vais remettre celle-là. Et c'est à toi. Bro. Oh, pourquoi j'ai pioché ça? Ok. Ça fait combien de victoires là pour l'instant? Comment? Deux. Et deux défaites. Du coup, je vais. C'est celle que je n'ai pas vraiment jouée. Ah. Ancré simplé. Pour okay. Deux, je vais jouer un lieu, la mine des sept nains. Elle fait. Tu peux dire ce que ça fait, ce alors, fait. Si je mets un personnage dessus, lambda, je peux infliger un dommage. Et que une fois par tour. Et si c'est un chevalier, c'est deux dommages à un perso.
Voilà. Et qu'une fois par tour. Donc ça veut dire si j'en mets deux dedans, il n'y a qu'un qui peut faire l'effet. Et il Ok, aura d'accord. un. Voilà. C'est à toi. Elle a combien de résistance? 6. Ok. Et voilà. Bon, j'ai pioché. Pioché. Je vais créer une madamine comme Hein? ça. Ouais. Et pour toi, je vais jouer un crabe. Ok. C'est à toi. Draw. Je marque un avec mon lieu. Ça marche. Je vais ancrer Blanche-Neige. Pour deux, je joue un deuxième lieu. Et pour un, je joue la reine. C'est une fin de tour. À toi. Ok. Je vais entrer un éléphant. Ouais. Pour trois, je vais jouer un crabe Ouais. qui va donner plus 3 à mon autre crabe et qui va aller taper un de tes lieux, Ouais. le cube. Je ne m'attendais pas à celle-là. Et ce sera à toi. Bon. Du coup, des crabes, ils font des trucs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ancrer Grincheux. Pour 3, je vais jouer le prince. Je te mets ton point de l'ordre du début. Hein. Ah oui, merci. Je l'ai mis. Du coup, je suis à 2. Du coup, qu'est-ce que je fais si lui, il m'attaque? Il m'attaque à 3, hein, c'est ça? Il m'attaque à 3, il peut attaquer Le crâne à trois, oui. à 3. Et si il part, il partira pas. Bon, ce qu'on va faire, je le mets en rempart. Et je pars pour 1 avec la reine, je passe à 3. C'est à toi. J'aime bien séparer. Il a combien pour... Il a résistance 1 et c'est un 1-3 avec résistance 1. Qu'il faut taper à 4. Déjà, je vais ancrer Ouais. un Archimède comme ça. Et pour 5, je vais jouer le même Archimède et un 6 de OK. sable. Qu'est-ce qu'on fait? On tape. Ça va aller l'orée. Pour deux. 1, 2. Tu passes, t'avais pas l'oreille tout à l'heure. Non, j'avais pas l'oreille, donc je Ok. passais à deux.
À moi? Et ce sera à toi et tu gagnes un point avec ton Ouais. jeu. Un point de l'or, je passe à 4. On va on fait joyeux. Je redresse tout le monde. Pour deux, je vais jouer prof. Je peux défausser ma main et piocher deux cartes. Donc je défausse deux profs que je peux pas ancrer. Je pioche deux. Du coup, pour deux, je joue le chasseur. Alors le chasseur, quand il part à l'aventure, je peux piocher et défausser une carte. Okay. Voilà. Ensuite, alors attends, t'as les petits trucs là, trucs nuches, les petits machins. Non, ce qu'on va faire, on va lourer pour 3. Je passe à 7. À toi. Ça marche. Je pioche. Je vais déjà lui, Archimède, il a offensive plus 3, du coup il tape à 4. Ouais. Donc il va aller taper ton prince. Il tape à combien le prince? Un. Les deux crabes, ils vont aller sur ton lieu. Ok. Pour 3 et 3. Qu'est-ce que je fais ça? Moi, je pense que je vais faire ça. Pour 5, je vais altérer Merlin. Sur un Ouais. Merlin déjà Il épuisé. fait quoi, Saint-Trope? Je l'ai, mais j'ai pas lu ce qu'il faisait. Alors, si je l'altère, je reprends une carte que je veux dans ma pioche et ensuite je mélange ma pioche. Ok. Je reprends une carte en main. Ok. Je vais reprendre ça. Amber Difficultage. D'ailleurs, je vais l'ancrer. J'avais pas ancré, je crois, à ce tour-ci. Non. Non, 1, 2, 3, 4, 5, non. ben, je vais l'ancrer. Ok. Et ce sera à toi. Le pioche. Du coup. Pour deux, je joue Blanche-Neige. Elle, en fait, je paye un de moins. Pour les nains. Pour jouer des nains. Et pour 3, du coup, normalement, il coûte 4, je joue timide. Alors, ce personnage, il peut être envoyé à l'aventure seulement s'il y a un nain avec lui. Ok, ça marche. Avec le chasseur, je pars pour 2. Et avec la reine pour 1, je passe à 10. Par contre, je fais pas son effet de piocher et des fosses. À toi. Ok. Je vais mettre vision de l'avenir en encre. Je vais leurrer avec tout le monde. Ça me fait passer à 7. Ouais. Et pour 3, 6, 7. Je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. Un mime dragon Ok. Et qui elle, lui tu dois envoyer reprend deux persos, ouais. Ok. quand je reprends la carte altérée, je récupère les deux cartes en Ouais, main c'est ou ça. juste celle C'est dessous? ça. Tu récupères les deux. Ok. En fait, elles font plus qu'une C'est la première fois après. que ça m'arrive. Bah moi, celle-là, je l'ai enlevée de mon deck quand je jouais Violerie. Parce que j'arrivais jamais à la jouer. Ouais, elle est dure à jouer. Ouais. Là, Elle je est l'ai très mis chouette. uniquement parce que j'ai fait un deck Merlin, parce que Ouais. j'ai un violet rouge
Et je la joue pas. Ah bah oui. Chaudron, c'est bon? Oui, c'est à toi, oui. Allez, je joue. Donc pour deux, enfin même pas pour deux, pour un, comme tu veux. Je joue dormeur. Alors attends, c'est le bazar ici, je redresse tout le monde. Dormeur, il arrive épuisé. Parce qu'il dort. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir pour 3. Non, 3, 4, 5 et 6. Je passe à 16. À toi. Ouais, il y a toute la clique là. Il y a toute la famille là. Je regarde ce film. Il a combien les stats de ton... Celui qui il aura 3 là. Je crois que c'est 2-5, timide. c'est une 2-5. Le 5. Timide. Et dormeur Ah, j'ai fait 2-3. Madame Mime. Ouais. D'accord. Madame Mime, elle va aller sur... Elle fait 5-7. Elle va aller sur timide. Ouais. Prends juste deux. Attends, je vais faire plutôt comme ça, parce que les autres au fond, on les voit pas là. Voilà. Non, mais c'est moi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, t'es à 16. Dans tous les cas, même si je t'enlève une carte, gagner. Bon, allez, pour le fun. Archimède, il va aller taper lui, le dormeur. Allez. Je sais pas combien il prend. Deux. Il passe à 3. Et pour le fun, pour 7, je rejoue un dragon. Du coup, perds mes deux Au cartes. moins, t'aurais pu les jouer. Ouais. Et c'est tout bon. Et j'avais encore dormeur. J'ai pas pu altérer la reine. Eh ben, écoute, hein, bravo. Ouais. Ouais, c'est vrai, merci. Et c'est vrai que t'as beaucoup de pioches, du coup, toi, avec violet, avec développe ton cerveau, c'est sympa, quoi. Moi, je manque de pioches, Ah, donc. et j'ai développé tout ça, ouais. Et vision de l'avenir. Ouais. Et développe connaissance et sagesse, tu joues, du coup? Oui, j'en ai Ouais. 4 aussi. Ouais, bah ouais. C'est Mais tellement là, bien, j'ai ça. fait, je les ai que sur les deux premières parties, c'est tout. Ok. Bon. Non, mais Bah, parce que mon fils décidément, les les joue. matchs de c'est les seuls que j'ai pas joués. Les quoi? J'ai les deux matchs gagnés, c'est les seuls que j'ai pas joués. Ah, bah ça. Après. Tu joues beaucoup? Bah, je fais toutes les avant-premières depuis le chapitre 2 Ouais. dans ma boutique à Montargis. Ouais. Et bon, voilà, c'est tout. Alors, ici, j'ai fait le Lorca Quest dernièrement. Ah, Je suis cool. arrivée vachement loin. Cool. Ah, ça fait une Voilà, bon c'était week-end. mon premier. Bon, ben, ça y est, les amis, le tournoi est terminé. Donc, j'ai fait 3 wins, 2 défaites. Je suis top 9. Voilà, donc pas pour le top 8. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. Mais bon, il est déjà minuit, les amis. J'ai qu'on a commencé à 21h. Il est minuit. Donc, je suis un peu fatiguée quand même. Ça y est, c'est la fin de journée. En plus, on est en pleine semaine. Demain, il y a l'école. Donc, il faut se lever à 6h30. Enfin, pas pour moi, mais pour les enfants. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous plaît. Et puis, bah, allez voir les réseaux sociaux, je vous mets dans la description de tous les gens que j'ai pu rencontrer
sur ces parties. Je les remercie, ils ont été très gentils. Merci aux organisateurs, de bisous à tout le monde. Et puis j'espère qu'on recommencera ça. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis très fatiguée quand même. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout, 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 tout. Et en attendant la prochaine, je vous dis ciao, ciao!